t'es perdu? Non. Amène-toi. T'essaies de t'enfuir ou quoi? Ça marchera pas, ça. Détends-toi, j'arrive. Tu es resté enfermé longtemps. On va voir si tu sais toujours tenir un volant. Soyons clairs, on s'occupe d'abord de Coburn, et ensuite de Shiv. Si j'en sers d'autres, ce sera du bonus. Moi, je t'aide pas à démanteler les Five Ten. Ce qui m'intéresse, ce sont les flics pourris et les meurtriers. C'est tout. Shiv doit finir en tôle. Si tu le tues, c'est toi qui y retournes. T'as une dent contre Coburn, c'est clair. Mais pourquoi t'as besoin de moi pour le coincer? Poids faible de Coburn, c'est les Five Ten. Il a la moitié du FBI dans sa poche. Si je menais une enquête officielle, je serais tout de suite grillé. Mais si je peux surveiller les activités de Shiv de l'intérieur, on les aura tous les deux. Et tu as le talent et la motivation dont j'ai besoin. On va où maintenant? Je vous ai trouvé un QG. On a besoin d'un endroit sûr où ton crew pourra bosser pour toi. Mon crew? Oui, ton crew. Un agent efficace a besoin d'une équipe solide derrière. Ok, c'est bon. Allez, entre. Je crois que tu vas adorer cet endroit. Que ça te plaise ou non, on va rester ici un petit moment. Bon. J'ai commencé à analyser les données. Le Five Ten Motor Club. Ça a commencé par des courses de rue illégales et en moins de 5 ans, c'est devenu un gang solide et organisé. Avec une filiale dans chaque région. Les voitures volées partent vers le sud-ouest. La contrebande remonte vers le nord-est. En fait, c'est pas compliqué. Les Five Ten font du trafic avec tout ce qui tient dans une bagnole. Voilà nos cibles. L'agent spécial Bill Coburn du FBI. Nous, on sait qu'il est pourri, mais il va falloir le prouver. Et Dennis Jefferson, alias Shiv. À eux deux, ils ont transformé les Five Ten. Coburn s'occupe de trouver les contacts et tient les flics à l'écart. Et Shiv s'occupe du sale boulot. Les Five Ten se tatouent leur grade. Shiv est le roi, le V8. Ta mission est d'infiltrer le Five Ten Motor Club. Gagne ton tatouage et grimpe les échelons. Trouve les preuves dont j'ai besoin pour faire tomber Coburn et Shiv. Tu dois être parrainé par le chef d'une région pour obtenir ton premier tatouage. Gagne son respect sur le circuit local et progresse dans l'organisation pour atteindre Shiv. Je me suis installé là où tu peux gérer tes capacités et modifier tes voitures. Plus tu progresses, plus tu peux équiper de capacités. Voilà ton tableau de collection. Il y en a chez tous les préparateurs et revendeurs. Le tableau te permet de gérer tes voitures et leurs specs.
Il te donne également un accès rapide à tous les revendeurs et préparateurs. L'atelier de ton QG te permet de monter les pièces achetées chez un préparateur et celles que tu as gagnées dans les missions. Il est essentiel d'installer tes meilleures pièces pour améliorer les performances et le niveau de ta voiture. Tu peux aussi customiser ta voiture avec des peintures, des décalcos et des pièces de carrosserie. Tous les dégâts subis sur la route peuvent être réparés dans l'atelier.
Salut, frangin. Tu me déposes? Pas de soucis. Est-ce que tout va bien? Oui. Allons-y. Le Five. Pour te faire accepter, il faut que le leader local te coopte. Le chef de la région de Détroit s'appelle Troy. Joue son jeu et gagne sa confiance pour avoir ton tatouage. Si tu veux monter en grade rapidement, tu devras faire équipe avec d'autres Five Ten. Utilise la liste des joueurs pour localiser des membres proches et former des groupes. En équipe, tu augmenteras tes chances dans les missions et tu gagneras de meilleures récompenses. Avec ton crew, tu peux explorer le monde, trouver des points clés, terminer des missions, des épreuves et des défis pour gagner de l'XP, du fric et des pièces détachées. Alex, j'ai un service à te demander. Je pense avoir trouvé le meilleur pilote de la police, mais j'ai besoin de savoir si elle a le niveau. Tu peux récupérer la cargaison illégale à l'endroit indiqué sur la carte ? Si ma protégée Clara est capable de t'arrêter toi, elle pourra arrêter n'importe qui. Est-ce que je dois prendre ça comme un compliment ? Prends-le comme tu veux. Alors ? Je ne dis jamais non à une bonne dose d'adrénaline. Parfait. Avant de commencer, on a préparé une voiture spéciale pour l'occasion. Je veux être certaine que Clara est à la hauteur. Les coordonnées sont envoyées sur ton GPS. Le véhicule t'attendra. Ça marche. J'y vais tout de suite. Suis le GPS pour trouver la caisse.
Maintenant, emmène la caisse à l'endroit indiqué sur la carte. Ah oui, j'ai oublié de te dire. Il y a des flics. J'y ai presque. Je rappelle la police. Clara, ta formation touche à sa fin. Je t'ai envoyé le meilleur pilote et il ne te fera aucun cadeau. Si tu le coinces, personne ne te résistera. Prête ? On va le savoir très vite. Pas mal, Clara, mais il va falloir faire mieux. C'est quoi ça? Les voitures balancent des flashbangs maintenant? La bonne nouvelle, c'est que toutes les voitures que tu vas conduire pour cette mission sont équipées des dernières modifications et gadgets. À la simple pression d'un bouton, tu peux déclencher des capacités. Vas-y, essaie. Mais on a plus d'un tour dans notre sac. La fonction retour sur cible te permet de revenir sur lui. Vas-y, essaie. Attention, pour déclencher une arrestation, tu dois rester près de ta cible. Tu es trop loin, rapproche-toi. Qu'est-ce que tu fais? Arrête-le. Oh, la voiture ne répond plus. Je sais tenir un volant, mais les fugitifs ont de quoi se défendre.
Attention, pour déclencher une arrestation, tu dois rester près de ta cible. Tu es trop loin, rapproche-toi. Ok, pilote à deux balles. T'as gagné cette petite bataille, mais la guerre sera pour moi. Dépêche-toi, il s'enfuit.